Changeons de chapitre, je vous l'annonce au sommaire de ce journal. Une motion de défiance pèse sur le ministre de la Défense nationale au niveau de l'Assemblée nationale. Motion initiée par le député national Arsène Mouaka. Il est reproché à Ngoyo Mukena de ne pas être très attentionné aux multiples tueries perpétrées dans la ville et territoire de Béni malgré les cris d'alarme lancés plusieurs fois en sa direction. Les explications avec Frédéric Chiyou. Au moins 419 personnes ont été tuées entre octobre 2014 et mars 2015 dans la province du Nord Kivu. Voilà ce qui pousse les notables de cette partie de la République à sanctionner le ministre de la Défense à travers une motion de défiance, car trop, s'exclame-t-il. Pour la seule fois que le gouverneur demande qu'on puisse donner l'importance à la question à la Troïka de chaque lundi, je ne peux pas accepter que le ministre de la Défense s'apprenne à lui. Ça, c'est vraiment le mépris à la communauté Nande. Au lieu de venir nous répondre ici à la motion qui est déjà, de défiance qui lui est déjà adressée, c'est la radio, la télévision où il nous injurie. Mais qu'est-ce qu'il pense que les bananes vont prendre comme option? Ce n'est pas sérieux parce qu'ils sont en train de les rejeter à bloc. Notre gouvernement, si nous sommes forts, nous avons essayé d'introduire une action et nous avons tous signé sur la motion contre le ministre de la Défense. Quand un homme comme, soi-disant, délégué de la majorité proche de la primature, un certain Tchamala, il parvient à injurier la communauté Nande, les commerçants, disent que leur commerce, les buildings, c'est le prix autour du sang. Mais ça, c'est une injure. Ces élus du Nord Kivu viennent par cet acte répondre à l'appel des évêques officiant dans l'Est de la République démocratique du Congo qui avaient chargé le pouvoir de Kinshasa de faire la sourde oreille au sujet des multiples tueries perpétrées à Beni. Personnellement, je suis content que l'évêque de Butembo Beni se prononce par rapport aux tueries de Beni. Ça fait longtemps et ce silence inquiétait tout le monde car c'est un homme très important. Il revient donc à la Chambre basse du Parlement de programmer la motion de défiance à charge de Ngoy Mukena de la Défense afin qu'il réponde de la question de l'Est. Affaire à suivre. Entre-temps, l'insécurité dans la partie Est de la République démocratique du Congo, le processus électoral ainsi que le dialogue politique qui se précise davantage sont là au ton de points évoqués ce mercredi à la conférence de presse hebdomadaire de la MONUSCO tenue depuis la ville de Beni. Les détails avec Constance Mutole et Guillaume Zinga. À partir de la ville de Beni, dans le Nord Kivu, le porte-parole militaire de la MONUSCO a tenu à préciser que la mission onusienne au Congo est à la recherche des agresseurs qui s'attaquent aux femmes et aux enfants dans l'est du pays. Une opération effectuée avec la connivence de FRDC. En ce qui concerne le processus électoral, la MONUSCO confirme son appui technique pour que les élections se déroulent dans de bonnes conditions et dans les délais. La MONUSCO a toujours encouragé ce processus-là qui est une première étape suite à la publication du calendrier électoral et nous avons toujours apporté notre contribution en termes d'appui technique à la Commission électorale nationale indépendante, mais aussi nous sommes prêts à apporter tout notre soutien logistique à cette même commission-là qui est en charge de l'organisation des élections afin que tout se passe dans de très bonnes conditions et dans les délais qui ont été initialement prescrits. S'agissant du dialogue initié par le chef de l'État, la MONUSCO souhaite que toutes les parties prenantes se retrouvent sur une même table pour l'atterrissage en douceur des élections. La MONUSCO poursuit son rôle de facilitateur, son rôle de bons offices pour amener toutes les parties prenantes, qu'elles soient politiques, qu'elles soient sociales, qu'elles soient religieuses, à dialoguer ensemble afin d'avoir un climat serein en RDC qui puisse permettre, si vous voulez, l'organisation prochaine des élections qui doivent se dérouler ici en République démocratique du Congo. La mission onusienne annonce la célébration de la journée internationale de casque bleu pour ce vendredi 29 mai 2015 avec pour thème l'ONU à 70 ans, maintien de la paix, paix présent, futur.
papa soki olingi ozala roi na libala sala ete mama azala reine. À toi au grand roi, voici nos cœurs vers toi, oh Dieu d'amour. Abonnez-nous et ton amour est le vieux.